Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Tu es effrayé, n'est-ce pas? Écarte-toi, Leonardo. Ne me touche pas, lâche-moi. Tu as peur de moi, hein? Lâche-moi, Leonardo, lâche-moi. Tu trembles. Je t'ai dit de me lâcher. Regarde comment réagit ton corps. Regarde. Lâche-moi, lâche-moi, ou je fais un scandale ici et je commence à pousser des cris. Vas-y, bien. Vas-y. Mais dis-moi que vraiment tu ne veux pas que je te touche. Dis-le-moi. Dis-moi que tu veux que je t'embrasse. Oh, c'est que je suis comme un pôle opposé chargé de pure énergie négative. Bien sûr, je suis encore échaudée après la dispute avec ce maudit Raimondo. C'est que cet homme est vraiment d'un mauvais caractère, d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise énergie. Mais toi, Reza, ça ne t'intimide pas du tout quand tu le vois. Mais c'est parce que personne ne m'effraie, voyons. Et encore moins ce coq. Écoute, mon amour, il pourra avoir des milliards, mais c'est un rustre, c'est un grossier. Oh, comment ose-t-il m'appeler moi? Moi? Couturier? Il t'a appelé couturier? Et en parfait French, hein, n'est-ce pas, petite chef? Oh, mais comment ose-t-il? Mais quand aura-t-il cru? Oh, se frustrer! Il ne lit jamais les pages de la société ou quoi? D'abord, je m'en sors mieux dans mes designs que lui. De plus, je suis toujours en couverture. Il sortira en page intermédiaire, lui. Bien sûr, hein. Comme c'est un frustré, lui, ce qu'il sait parfaitement faire, c'est offenser et humilier les gens. Lui, il me donne envie de vomir, jeune fille. Ça, c'est bien vrai, Grégory. Reza, voilà. C'est une liste de toutes les affaires en attente, tu vois, avec les comptes à payer. Et ceux qui sont ici, ce sont les salaires des jeunes filles, des modèles. Parfait. Écoute, Ray, j'allais te poser une petite question. Comment ça se passe dans ta nouvelle demeure des Lombardies? Oh, parce que, pardonne-moi, mais t'es encore plus belle qu'avant, mon cœur. C'est fabuleux, mon joli. C'était la maison de la mère de Leonardo. Ah! Alors, ton ex était du berceau des deux côtés? Oh! Mais maintenant, il est à tes feet, hein, c'est-à-dire à tes pieds, n'est-ce pas? Ah, mon cher Grégory. Je l'ai toujours eu à mes pieds. Parce que laisse-moi te dire que ce petit corps latino, c'est ce qui le perturbe. Parce que cette Miranda et toutes ses autres filles sont seulement le produit de sa frustration. Cet homme, celle qui le commande, c'est moi. Tu te sens très macho, hein? Très sûr, très puissant. Tu trembles de peur.
Non, je tremble de dégoût. De répulsion. Tu en es sûre? Ton corps me dit le contraire. Ta taille te trahit. Comment est-ce que je peux aimer un homme comme toi? Quand, Leonardo, comment est-ce que j'ai pu t'aimer une fois? Tu m'aimes encore. Tu es encore amoureuse de moi. Tu es prétentieux. Cesse cette tragédie. Tu n'as rien à dire. Ton corps parle à ta place. Tu deviens folle entre mes bras malgré Antonetti. Antonetti, 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 toi, définitivement! Tu ne vas pas revenir qu'à ce que je te déteste dans l'âme. Tout est Antonetti. Tu te comportes comme un fou obsédé. Dis-moi de te lâcher, alors. Demande-moi de ne pas abuser de toi, mais en me regardant dans les yeux. Demande-le-moi. Ce vaurien de Pololo me fait supporter le pire, je te jure. Oh. Mais je le tiens, ma petite. Ah, il ne sait pas quelle sorte de serpent il s'est frotté. Attention, Julia, attention. Ne te mets pas dans des histoires et sois patiente, jeune fille. Écoute, car il y a de l'argent au milieu. Celui qui s'y brûle, perd. Mais il ne va pas jouer au ballon avec moi, alors écoute. Il va avoir affaire à la police. Et je vais leur dire qu'il a une flopée de mineurs qui travaillent dans son bar. Il est emprisonné, il ne paiera pas. Ah, ma petite, à ton compte, paye ton argent. Tu devrais plutôt t'occuper de Manolo, hein. Parce que je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. En train d'amener les gâteaux à la pura, mon amour. Pour moi, c'est qu'il mange là, t'as entendu, hein. Il en est donc ainsi, c'est ça. Mais cette fille va me trouver en face. Ouais. Mais c'est que, écoute, le Manolo, comme Miranda en a pas voulu, il s'est retourné vers la petite servante de pura. Ah, mon amour, mais il est des plus divins. Fainéant, hein. Pendant que toi, t'es enceinte et sans argent. Attention, Julia. Oui. D'accord. Écoute, et ce sont les documents du registre du plan touristique? Oui, voici la levée topographique aussi. Parfait, c'est très bien. C'est très bien. Germaine, mon garçon, évidemment, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil au registre. Celui des documents de propriété du patrimoine familial, tu sais. Il ne faudrait pas que mon fou de fils donne par aveuglément des propriétés à ses femmes. En particulier à cette Miranda. S'il te plaît, mon oncle, elle n'a pas du tout besoin de ça. Vraiment? Mais elle entre dans la maison qui a été à mon épouse comme si c'était elle. Mais vous n'avez aucun droit sur elle, puisqu'il s'agit d'une succession. Tu comprends? De plus, avec tous les problèmes qu'a Miranda, elle n'est pas enclin à réclamer quoi que ce soit. Je veux dire, si c'est ce qui t'inquiète. Écoute, car je connais très bien ces filles. Et avec leur petite tête de « ça n'est pas moi », elles dévalisent n'importe qui, mon garçon. Mon oncle, tu es un homme chrétien. Pourquoi n'appliques-tu pas un peu d'humilité et de tolérance? D'humilité? Tu me parles d'humilité? À moi? Mais mon garçon, qu'est-ce que j'ai pour être humble? Écoute, depuis la semelle de mes chaussures jusqu'au dernier cheveu blanc, il n'y a rien qui m'indique que je dois être humble. L'humilité vient de l'intérieur, tu sais. Et c'est de l'intérieur que je te dis que je ne crois pas qu'il y ait un seul puissant qui soit humble. Ce sont des hypocrisies, mon garçon. Je ne suis pas un saint, et je ne veux pas l'être. Aussi, éloigne-moi de Miranda. Je veux lui imposer des limites légales à elle, plus qu'à aucune autre. Est-ce que tu m'entends? Fais attention. Nous pouvons être à quelques centimètres, mais très distants pour qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. Avec ton comportement, tu as créé une muraille impossible à franchir. Avec ta haine, tu es devenu un homme mesquin. Tes insultes ne m'affectent absolument pas. Ta méfiance, ta jalousie. Non, c'est un mensonge. On n'est pas jaloux de qui on n'aime pas. Ah non? Et alors pourquoi tu me lâches pas? Parce qu'une chose est l'amour, et une autre est le désir. Tu me plais toujours, tu as entendu? Tu m'attires. Arrête! Je ne peux pas nier que j'aime tes faveurs dans l'intimité. Ne t'avise pas! Ne me traite pas comme une femme quelconque! Lâche-moi!
Lâche-moi! Ouvrez! Nous sommes enfermés! Cesse ce scandale, voyons! Si les femmes quelconques t'enchantent, tu peux retourner chez toi, avec ta Reza! Avec elle, tu peux faire ce dont tu as envie, mais pas avec moi, ok? Je suis une dame! Viens ici! Lâche-moi! Non, vraiment pas une Lombardie! Pas question, mon garçon! Ça ne me plaît pas que cette fille porte mon sang! Eh bien, la vie se chargera de le prouver. J'en doute beaucoup, tu sais. Bon, écoute, autre chose. Maintenant, Saul est hospitalisé. Nous avons commencé la recherche du donneur. Est-ce que tu serais prêt à faire les examens de compatibilité? S'il te plaît, mon oncle, bien sûr que oui. Je suis à leur ordre, pour ceux qu'ils voudront. Bon, parfait. Alors commence par m'emmener à la clinique parce que mon chauffeur n'est pas là. Je t'emmène à la clinique. Et ensuite, je vais voir Saul parce que j'ai une foule de choses à résoudre. Bon, d'accord. Mon garçon, German, je suis là pour te demander quelque chose depuis... Depuis un moment. Tu connais Andréina Obregón? Qu'est-ce qui s'est passé, mon oncle? Tu vas t'attaquer à la veuve d'Obregón? Qu'est-ce que c'est que ça, mon garçon, enfin? Mais c'est cette histoire, arrête ça, mon garçon! Non, car selon ce que j'ai entendu, c'est un cerveau financier et... Et bon, je veux être prêt quand elle sera ici, voilà tout. Allons-y, amène-moi. Miranda, que s'est-il passé? Non, rien, rien. Où est Vicky? Dans la chambre avec Saul, mais il ne laisse entrer personne d'autre. Mais qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Tu veux que je trouve un médecin? Non, non, il m'arrive rien, vraiment. Assieds-toi, tu as une tête. Miranda, je te trouve très nerveuse. Quelque chose s'est passé, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un verre. J'ai besoin d'un Fabiana. Verre. Fabiana! Ça te plairait, n'est-ce pas? Oui, donne-moi la bouteille. Demande-la à Leonardo. Demande-la lui. Donne-moi la bouteille. Et si tu la touches, je la casse. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, Rimena, je te le demande. Je te le demande. Donne-moi la bouteille, car j'ai besoin d'un verre. S'il te plaît. Non, 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 non. Attrape-la avec la langue. Lèche le sol. Non. Ivrogne. Pauvre idiote. Non. 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 Alors? Écoute, je venais d'acheter ce sandwich à Vicky quand justement je suis tombée sur Leonardo dans l'ascenseur. Ah, ne me dis pas, s'il te plaît, qu'il t'a à nouveau craché des insultes. Ça a été horrible, Yasmina, ça a été horrible. La panne d'électricité nous a coincés tous les deux seuls, là-bas à l'intérieur. Ah, Miranda, quel poisse, hein. Je voulais mourir, je te le jure. Et il t'a fait quelque chose, ce sale type? Il a essayé de m'embrasser, de me toucher de force. Et il l'a fait, il t'a embrassé? Non, 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 s'il te plaît, Yasmina. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il avait cessé de m'aimer, qu'il me désirait simplement. Je sais pas, c'est que même Dario... Dario, jamais, jamais ne m'a traité ainsi, Yasmina. Je sais pas lequel des deux est le pire. Ah non, ces deux hommes, ma chérie, définitivement, ils sont fous tous les deux. Mais Miranda, s'il te plaît, calme-toi. Je vais te chercher quelque chose et essaie de te calmer. Ne laisse pas Vicky te voir dans cet état. J'arrive tout de suite, d'accord? Reste tranquille. Mon petit cœur, je suis ici. Comment te sens-tu? Je sais pas. Je me sens comme à moitié faible. Sois tranquille, d'accord? Écoute, tout ça est normal, ok? C'est normal et tout cet ennui est nécessaire. Pour un temps, parce que tout ça va passer, d'accord? Parce que nous allons trouver le donneur. Et tout sera prêt alors, et tout sera résolu. Ah, et si on ne le trouve pas? Saul, mon Dieu, ne dis pas ça. Bien sûr qu'on va le trouver, et on va le trouver comme ça. Vite, vite, vite. Vite. Tu es le préféré de l'univers. De ma vie. Et Dieu va t'aider, mon amour. Sûr que tu sais pourquoi je suis là.
Comment est-ce possible que Dario Antonetti soit en liberté, mon gars? Bon. Oui, moi aussi je me le demande depuis qu'on a délivré le procès-verbal d'emprisonnement. Ce type est un fou, un délinquant, un psychopathe, il doit être emprisonné. Il a failli tuer Leonardo. C'est le cas, c'est le cas. Mais il a reçu l'aide d'un personnage très, mais très important, un ami de sa mère, Teresa. Et malheureusement, eh bien le carnet de chèques a tué la justice. Quel malheur. Et pendant ce temps, Dario Antonetti est toujours dans la rue à faire des siennes. Oui, il continue à menacer Miranda. Moi-même, je l'ai entendu quand il lui faisait du chantage. Oui, je te crois. Je te crois. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à Leonardo pour éviter une tragédie. Tu sais ce qui m'inquiète? Hein? Que Miranda soit à la merci de ce malheureux. Miranda n'aurait jamais dû retirer les charges qui pesaient contre lui. Je l'ai prévenu. Aussi, elle a mal fait. Elle a pensé qu'en retirant les charges, elle allait protéger Leonardo. Mais ça n'a pas été le cas. Dis-moi une chose, Santaella. Quoi? Que pouvons-nous faire pour l'emprisonner à nouveau? Reste tranquille. Reste tranquille, mon ami. Reste calme. Je ne veux pas t'en dire plus, mais... je suis sur une piste qui, si elle me mène là où je crois... je te garantis que Dario Antonetti sera emprisonné à vie. Il faut faire d'autres examens à Saul. Moi ensuite, je t'expliquerai pas à pas par rapport à ça. Merci, Plaza. Appelle-moi pour quoi que ce soit, nous restons en contact. D'accord, prends soin de toi. Ah, c'est bien que je te trouve parce que je voulais parler avec toi, Leonardo Lombardi. Que vous arrive-t-il? Vous et moi, nous ne sommes pas amis pour que vous me tutoyiez. Non, évidemment que je ne suis pas ton ami. Je n'ai pas d'amis aussi minables. Je ne veux pas d'insultes, mademoiselle. Ah, mais toi par contre, tu peux, hein? Tu as le droit d'insulter Miranda à tort et à travers chaque fois que tu en as envie, n'est-ce pas, c'est ça? Allez, dis-moi, dis-moi! Je veux que toi-même tu me dises si tu n'es pas un minable. Sincèrement, je ne suis pas là pour écouter des bêtises. Et encore moins d'une femme comme vous. Ah, d'une femme comment? Allô, grand-père. Ah oui, comment vas-tu, papy chéri? Moi, à la clinique. Non! Non, 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 non. Tout va bien. Sois tranquille. Je suis allée faire un bilan de santé, faire l'échographie, mais on m'a dit que tout allait bien, grâce à Dieu. Ah oui, toi aussi, tu me manques, papy. Ça m'a enchantée de parler avec toi. Une femme comment, hein? Tu ne sais pas ce qu'est une femme vraiment, vraiment, parce que ton unique référence de femme, c'est cette sale garde de Reza Alarcón. Ne me manquez pas de respect, mademoiselle. Alors toi non plus ne me manque pas de respect, et ne manque pas de respect à Miranda. Mais qui es-tu réellement, toi, hein, dis-moi? Un misogyne? Un fou qui déteste les femmes ou quoi? Écoutez, restez à votre place. Si vous êtes aussi inconditionnel avec Miranda, c'est parce que vous êtes comme elle. Des traîtresses sans scrupules. Imbécile prétentieux! Restez tranquille et occupez la place qui est la vôtre. Et apprenez à garder vos distances si vous ne voulez pas qu'on vous traite comme une vagabonde. Ce type est une enflure, un prétentieux, un minable. Mon Dieu, mais comment Miranda a pu tomber amoureuse d'un type pareil, vraiment? Si vous cherchez Don Salvador, il est en train de passer quelques jours à la maison de la plage. Non, Rimena, à cette occasion, je ne viens pas pour Don Salvador. Je viens pour Fabiana. Où est-elle? Ah, elle est là-bas, dans le couloir, allongée par terre, en train de boire de l'alcool. Croyez-moi, cette femme est une vraie punition pour cette maison. Viens, viens, viens avec moi. Chut, allons, allons. Rimena, ce dont elle a le moins besoin en ce moment, c'est qu'on la critique et qu'on la juge. Elle a besoin de tolérance, de compréhension. Pour votre information, l'alcoolisme n'est aucunement un hobby, c'est une maladie. Aussi, excusez-moi. Cet idiot est amoureux de cette pauvre femme. La vérité, c'est que je ne comprends vraiment pas les hommes. Miranda, prends ça. Tu te sens mieux? Merci, Yasmina. Tiens. Je sais même plus comment je me sens. Ah, l'amour, vraiment, m'a joué un mauvais tour. Je sais que je suis en train de revivre l'histoire de ma grand-mère.
Elle a souffert des moqueries et des calomnies de Raimundo Lombardi. Mais elle, Don Salvador, l'a vraiment aimée, hein? C'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Bon, c'est ce que tu peux pas comparer, Yasmina. Leonardo, avec le grand-père, ça n'était pas un homme marqué par la jalousie à cause d'une femme qui l'a trahi. C'était un homme noble. Noble, à toute épreuve. Miranda, tu ne peux pas continuer comme ça. Arrête maintenant, d'accord? Écoute, ce que tu es en train de mettre en jeu, c'est la vie de ton enfant. Leonardo, quelle surprise. Bon, je suis venue voir Saul. Comment va-t-il? Je viens de parler avec le médecin. Ils lui ont fait une série d'examens, il est en train de se reposer. Les visites lui sont interdites jusqu'à demain. Ah, bien sûr. Quel dommage. Ça m'aurait enchanté de le voir. Je le sais, Sonia. Et je te remercie de ton intérêt. Tu as battu. Tu es sûr que ça va bien? Oui. Maintenant, excuse-moi, mais je dois retourner au bureau. J'y ai laissé des affaires en cours. Leonardo, ça ne te dérangerait pas de me ramener chez moi? Je n'ai pas pris ma voiture. Bien sûr, évidemment. Allons-y. Et nous déjeunerons. Allons chez moi et... Non, je ne sais pas, Sonia. Pour ce qui est de déjeuner, je te remercie, mais... Mais rien. Nous déjeunerons et parlerons des conflits de travail dont nous devons parler. C'est confirmé, Monsieur Lombardi. À 1 heure chez moi. Je sais ce qui est primordial, c'est mon enfant, Yasmina, mais qu'est-ce que je peux... Ah, Miranda, ne fais pas attention, s'il te plaît. En plus, tu sais bien que cet homme est supprimé de ta vie. Et dernièrement, il t'a perdu, Miranda. Allons, viens avec moi, Fabiana, allez. Non, laisse-moi comptable, s'il te plaît. Fabiana, je ne vais pas te laisser, tu dois venir avec moi. Fais-le de ta propre volonté, Fabiana. Fabiana, regarde-moi. Tu dois t'aimer, Fabiana, tu dois t'aimer. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas et personne ne m'importe. Moi, l'unique chose dont j'ai besoin, s'il te plaît, c'est d'un verre. S'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Allons-y, partons d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens mal. Allons, calme-toi. De la tachycardie, je crois que je vais mourir. Chut, non. Viens avec moi. Viens. Allons, viens. Salut, Rimena. Bonjour. Comment va mon bébé? Ah, beaucoup mieux, elle est plus tranquille. Et Leonardo? Il a appelé. Ah. Et tu ne lui as pas dit que j'étais à la maison de mode? Non, madame. Il m'a seulement appelé pour demander des nouvelles de la petite. Ah, mais ça n'est pas l'unique nouveauté. Le show de l'ivrogne de votre demi-sœur... et de ce César Sandoval, car il est des plus enthousiasmés auprès d'elle. Ah, ce n'est pas possible. Serait-il possible que quelqu'un s'intéresse à cette horreur de femme? Que signifie ce spectacle si déprimant? Que faites-vous là, tous les deux, hein? J'ai besoin d'un verre. Chut, non, du calme, j'essaie de l'aider. Cette vaurienne ne mérite personne pour l'aider. Elle s'est noyée dans l'alcool. C'est une honte pour cette famille. Excuse-moi, Raïsa, mais tu es la moins indiquée pour parler de honte, ok? Et toi, qui es-tu, Raïsa? D'accord, emmène-la tout de suite, hein? Où tu en auras envie? C'est... Une femme avec des problèmes. Et en plus, c'est ta sœur. Demi-sœur? Oui, et quand on a une conduite comme la tienne, eh bien, on ne peut pas se permettre de juger personne. Partez d'ici tous les deux, dehors. Allons, dehors. Qu'attends-tu? Allons, Fabiana, allons-y. De toute manière, j'ai besoin d'un verre. Sois tranquille, allons, viens avec moi. Sors cette ivrogne d'ici, mon Dieu, parce qu'elle est en peste. L'odeur d'alcool est insupportable. Oh, quelle nausée. Bon, tu... T'as bien vu comment tout est? Comme sont les choses ici. Miranda nous a déjà informés sur ta nomination. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter la bienvenue. Merci Manolo, merci beaucoup. Tu sais ce qui a le plus attiré mon attention? L'enthousiasme et l'envie de travailler avec des gens ici. Bon, nous allons être clairs, Carvajal. Je ne doute pas de ta capacité de travail, de ton envie de te confronter à tout ça, n'est-ce pas? Mais je vais te parler sincèrement, mon garçon. Les références que j'ai de toi sont un peu... Les pires. Car je suis un sans-gêne, car je suis une crapule, car je suis un traître, car j'ai détruit le mariage de mon meilleur ami.
Tu ne vas parvenir qu'à ce que je te déteste dans l'âme. Tout est Antonetti. Tu te comportes comme un fou obsédé. C'est ce que tu as fait de moi, Miranda Valadares. Une brute sans contrôle. Un type méprisable. Je ne sais pas affronter la vie sans toi. Ça y est, ça va mieux. Oui. C'est que mon malaise n'est pas autant physique que moral. Écoute-moi, avant, je ne m'étais jamais sentie humiliée. Par personne. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme qui a signifié autant pour moi puisse me causer autant de douleur. Madame Miranda, comment ça s'est passé? Comment va Saul? Bien, Nina. Oh, grâce à Dieu. Ils sont en train de lui faire des examens. Ah, oh, bon. Je dois vous dire quelque chose. Dis-moi, dis-moi. Monsieur Dario Antonetti vous a appelé du Brésil pour changer. Merci, Nina. S'il appelle à nouveau, je ne suis pas là. Je ne suis pas arrivée. Je me suis jetée en bas du balcon. Tu ne sais rien à mon sujet. Elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée, comme oui, toujours, comme oui, toujours. Oui, Nina, s'il te plaît. Ok, ok. Il en a été ainsi. Mais crois-moi que je ne suis pas un homme dépourvu de sentiments. Peut-être une personne qui s'est trompée une ou plusieurs fois, mais non indifférente à la douleur des autres. Pourvu que tu ne déçoives pas Miranda. Non, non. Je remercie plutôt Miranda d'avoir passé outre mon passé. De m'avoir donné un vœu de confiance. Crois-moi que ça me motive énormément ce travail, d'aider les enfants de la rue. Et je vais le faire en l'honneur d'un grand ami. D'un homme qui a été comme mon frère, qui a consacré une partie de sa vie à faire des travaux comme celui-là, Ricardo Lombardi. Tu parles du frère de Leonardo? Oui. Le père de mon filleul, Saul. Bon, Manolo, je ne vais pas te le nier, j'ai une faiblesse. Un talon d'Achille, qui sont les femmes. Mais j'ai des sentiments. Et ceci sera prouvé dans mon travail, parce que je vais donner le meilleur de moi, en cela. Écoute, Miranda, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Comment se fait-il que tu aies donné du travail à Federico Carvajal à la Fondation? Tu es folle, ce type n'est-il pas la main droite de Reza Alarcón? Écoute, Yasmina. Il est complètement détaché de son entreprise, là. Je ne sais pas, mais est-ce que tu ne vas pas te retrouver avec une histoire de plus à cause de ça? Enfin, je veux dire quand Leonardo l'apprendra, parce qu'il a une réputation de traître. Leonardo déteste tout ce qui a à voir avec moi. Mieux encore, écoute. Il déteste mon entourage, il déteste mes amis, et jusqu'à mon enfant, alors que c'est aussi son enfant. Il a bien mérité tout ce qu'a pu lui faire cette saleté de Reza Alarcón, crois-moi. Je vais te dire une chose, Miranda. Tu dois enterrer cette affaire et oublier ce type. Écoute, ce que tu dois vraiment faire, c'est ce que font des milliers de femmes dans le monde. C'est avoir ton enfant toute seule, voilà. Oublie cet homme. Écoute, je vais te dire autre chose. Oui. Si tu me dis à nouveau que tu aimes Leonardo Lombardi, je te jure, je te jure, je ne te parle plus jamais. Oui. Oui, bon, quelle est cette insistance, cette impatience? Allez! Écoute, Sainte Nitouche, allons, allons, allons. Je ne te supporte plus, jeune fille, je suis à bout. Je ne te supporte plus. Que fais-tu ici? Écoute, tu crois que tu vas rester avec mon mari, c'est bien ça? Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Que m'arrive-t-il? Comment ça, que m'arrive-t-il? Écoute, ne joue pas la Sainte Nitouche avec moi! Hein, l'idiote? Tu sais très bien que Manolo est mon mari! Tu es folle, Julia, va-t'en d'ici! De quoi es-tu en train de me parler? Hein? De quoi es-tu en train de parler? De quoi es-tu en train de parler? Du fait que tu couches avec mon homme, je suis en train de parler de ça! Non, non! Mais d'où sors-tu ça, voyons? Ah, des pâtisseries! Des pâtisseries, voilà d'où je sors ça! Et du fait qu'ils viennent à des repas et des heures impromptues dans la nuit! Oui! Qui te crois-tu, jeune fille? Écoute, ce que tu es, c'est que tu es une friponne, et j'en ai assez de toi. Garce, je te le dis alors, voilà. Merci. Bon, bienvenue dans mon foyer, mon doux foyer. Tu as raison. L'ambiance y est douce et agréable. Et tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi ça me semble si familier. Bien sûr, parce que cette chanson que tu entends ressemble au temps où nous étions jeunes, hein. Allez, viens. Et si je me souviens bien, c'est sur ce thème que nous nous sommes connus, non? Leonardo, tu me surprends.
Oh, viens, viens. Viens ici, je t'ai préparé, enfin elle est déjà prête, ta boisson préférée, par ici. Tu me pardonneras le manque de formalité, non? Whisky avec glaçon. Allons, ton whisky préféré. Le vin, nous le boirons à une autre occasion, d'accord? Parce qu'ici, j'ai moi ce petit vin. Pour moi, comme toujours, du vin. Du vin, du vin, du vin. Bon, ok. Et maintenant, la surprise. Passe par ici. Je t'ai préparé, comme plat principal, ton plat préféré. Bon, au moins à l'époque. Carpaccio de faux filet. Oui, regarde. Hein. C'est exquis. C'est spectaculaire, n'est-ce pas? Allons. Maintenant, nous allons trinquer à ce que nous avons été. Santé. Mais qui t'enlève quoi que ce soit, jeune fille? Mais qui t'enlève quoi que ce soit? Que t'arrive-t-il? Et alors, qu'est-ce que c'est? Raconte-moi, hein? Alors, malheureuse, toi, tu couches vraiment avec lui, hein? N'est-ce pas, vagabonde? Bien sûr que non, vaurienne, bien sûr que non! Qui est une vaurienne? Répète ce que Lâche-moi. Tu as dit, là, hein? Dis-moi, Lâche-moi. Dis-moi, là! Lâche-moi. Qui est une vaurienne, hein? Qui? Dis-moi, dis-moi! Tu es trempée, là! Hein? Écoute, sale vaurienne malheureuse, maintenant je vais te tuer! Non, la vaurienne, c'est toi! Moi, tu me respectes, je te l'ai dit, tu me respectes! Maintenant, oui, ça c'est sûr, je vais te tuer! Je vais te détruire! Voilà! Qui appelles-tu vaurienne, hein? Qui appelles-tu vaurienne? Hein? À l'aide! Qu'est-ce que tu m'as jeté à la figure? Où est-ce Au que secours, t'es? À l'aide! Qui est Julia, hein? Qui est Julia? Tu vas savoir écoute, qui est donne-moi Julia! Écoute, donne-moi le couteau! Donne-moi le couteau! Arrête, sors d'ici maintenant! Non, arrête! Va-t'en, maintenant, sors! Arrêtez, sors il ici. Faut l'arrêter, ça va maintenant! Va-t'en, allez dehors! Ah, non, mon Dieu. Ça suffit maintenant! Non! Ça suffit! Mais arrêtez! Non! Allez, sors, non, dégage. Va dehors, là-haut! Oh. Je vais la tuer! La prochaine fois que tu viendras, je te sortirai avec la police! Je vais la tuer! Ouvre-moi la porte! Ça va, Pura? Je vais te casser la figure! Je vais te casser la figure, tu m'as entendu? Très bien, Pura, ça va? Pura, t'es perdu, je t'attends en bas, tu m'as entendu? Fabiana, tu es une femme jeune et belle en plus. Tu mérites d'avoir une autre vie. Tu mérites de te réveiller et de voir enfin le jour différemment. Je suis ton ami et je t'aime. Je suis prêt à te sauver et à te lancer une corde pour te sortir de cet abîme. Oh, tout ça est vrai, monsieur le comptable. Parce que je t'écoute et il me semble que je suis en train de rêver. Tu sais, jamais personne ne s'était inquiété pour moi. Sauf Leonardo qui a permis que je reste chez lui. Du reste, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'amis, ni de connaissances, rien. Je n'ai personne qui m'aime. Non. Ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Je suis une femme seule. Et ça me fait mal, tu sais, parce que... cette solitude est celle qui fait que... je déteste tout ce qui m'entoure. C'est pourquoi je t'écoute. C'est... César. Parce que je crois que ceci est un joli rêve duquel je ne voudrais jamais me réveiller. Et alors? C'est excellent. Federico. Messieurs, dames. Docteur, comment va Saul? Eh bien oui. Toute la famille au complet doit être là-bas, à attendre le résultat de Saul.
Et alors, tu n'es pas allée à l'événement ? Ah, oui, c'est bizarre tout ça quand même, que tu ne sois pas allée là-bas pour briller au moins. Chef, allons, vous vous sentez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Oh, c'est pas la Reisa que je connais, moi. Celle que je connais serait déjà là-bas à profiter. Jamais elle ne raterait ce moment si stellaire au milieu de la dynastie Lombardi. Bon, explique-moi, pourquoi n'y es-tu pas allée ? Parce qu'il s'avère, mon cher Grégory, que je ne veux pas tomber sur ce mécréant de Federico. Et encore moins maintenant, car maintenant il travaille comme un misérable, un serviteur, pour Miranda Valadares. C'est donc ça. Ou c'est que nous savons déjà tous que sa relation avec Sonia Fernandez est presque un fait. Oups. Bon, il s'est passé ce que nous espérions tous. La transplantation de moelle a réussi. C'est pour ça. C'est génial. Il est sauvé. Super. Et comment va-t-il ? Bien, Leonardo, bien. Nous estimons qu'il va s'en sortir très bien et récupérer très vite. D'ici peu, nous le retrouverons libre de tout problème. Miranda, il est sauvé. C'est fantastique. Oh, grâce au ciel, mon amour, grâce au ciel. Héloïsa, c'est merveilleux. Ah, c'est bien que tout soit maintenant fini, ma chérie. Ah oui. Grâce à Dieu et bon, oh, d'honneur aussi. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour notre famille. Regarde, Leonardo, là-bas. La maternité va merveilleusement bien à Miranda. Regarde comme elle est belle. Elle est plus belle que jamais. Et je ne sais pas, toi, mais... Enfin, quoi que tu dises, Miranda est la femme de ta vie. Tu es plus amoureux de Miranda que jamais. Et malgré toi, tu sais. Germaine a raison. Tu es plus belle que jamais, Miranda. Yasmina, j'ai un mélange ici à l'intérieur, là. De tant de sentiments mélangés. Quelle émotion si grande que celle que j'ai, Yasmina. Ah, c'est que c'est un moment si émouvant pour nous tous. Pour ses amis, pour Pura, pour Manolo, pour je moi. Je me sens si fière de ma sœur. Que Vicky est belle. Qu'est-ce qu'elle est courageuse et elle est belle, même à l'intérieur. Écoute, tous ces gens vont la remercier, tu verras. Oh, peu importe s'ils la remercient ou non. L'important, c'est que ma sœur ait un futur aux côtés de Saul. Et c'est un amour pour toute la vie, je suis sûre de ça. Ce que tu n'as pas pu réussir, ma chérie. Bon, Yasmina, je ne vais pas te le nier. Je mourrais d'envie de sortir en courant. Ah, où il est, de l'étreindre parce que je sais qu'il est content, parce que je sais qu'il aime Saul comme un fils. Ah, c'est vraiment un jour merveilleux. Et tu n'as pas de solution, tu c'est as cet vrai, homme Leonardo. Dans la peau qui te coule dans les veines partout. Bon, Yasmina, je vais pas te le nier. De plus, j'attends un bébé de lui et... Et bon, c'est comme s'il était toujours avec moi. Écoute, tu crois que ces gens savent qui a été le donneur ? Non, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Le docteur Plaza va leur dire après. Bon, ben maintenant, il faut le célébrer en grand, ok ? Oui, monsieur, bien parce sûr. Parce qu'il faut voir que cette Vicky, vraiment, est la plus grande. C'est la plus grande, vraiment. Écoute, cette jeune fille, elle vaut ce qu'elle est. Hein. C'est que c'est une opportunité unique. Je sais que mon ami, où qu'il soit, a été le conducteur de tout ça. Je sais que Ricardo Lombardi a été là avec son fils. Oui, c'est ça, monsieur le coordinateur. Bon, allez, allons faire un gueuleton et boire un petit coup tous ensemble. Hein. On y va, c'est d'accord, parti. Ouais. Eh bien, aujourd'hui est un jour de grande joie. Pour la famille Lombardi, notre jeune homme est sauvé. Ça a été mieux de ne pas le dire au grand-père pour sa santé, en tout cas. Mais maintenant, il serait heureux de faire la fête ici, avec nous. Oui, vraiment. Bon, mon garçon, mais nous aimerions savoir qui a été le donneur. Pourquoi tant de mystère ? Bien sûr. Quelle qu'elle soit, nous devons beaucoup à cette personne. Oui, en cela, je suis complètement d'accord avec toi, papa. Qui que ce soit, nous lui devons la vie de Saul. Ah, mais bien sûr. Et nous lui en serons éternellement reconnaissants. Évidemment que oui. Mais bon, oh, regardez, voilà Plaza. Docteur Plaza, alors dites-nous, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous dire qui a été le donneur ? Voilà le docteur, je crois qu'il va dire qui a été le donneur. Ah, oh, ça va faire quelque chose à Raimundo. Regardez juste leur visage. Autant ce vieux misérable que son fils vont recevoir la leçon de leur vie. Ah, oh, mon Dieu, si ton Salvador était ici. Il s'agit d'une enfant avec un courage à toute épreuve. Aussi courageuse que ton petit-fils. Une enfant qui me remplit d'orgueil par son courage humain, par son courage. Et son nom est Victoria Valadares Montiel. Vicky ?
Ah, grâce à Vicky, mon frère est vivant. Nous lui devons la vie. Grâce au courage d'une femme qui commence à vivre, elle montre le courage de notre jeunesse. Todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Siendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonido a contar contigo. Vengo del tiempo que nadie calcula, vengo moldeando una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida,